Bonjour à tous et toutes. Eh bien, là, je vais faire le petit bilan de mon trading pour la journée du 15 avril. Ça a été une bonne journée, hein. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait mes 40 points. Ça a été à peu près le timing de cette semaine. J'ai fait 10 points, 50 points, 10 points. 42 et là vendredi en clôture 41 points, donc c'est plutôt une bonne semaine. Alors ça a été une journée de trading très particulier puisque j'ai passé presque tous mes trades, on va dire à 98%, sur mon iPhone parce que j'étais en déplacement tout l'après-midi. Donc pour scalper sur iPhone, c'est quand même beaucoup moins facile que devant son PC avec la fibre, ses quatre écrans, tout va à toute vitesse. C'est une autre technique de scalping que je vais vous montrer et essayer de décrire un petit peu la stratégie. Donc là, c'est toute la journée. Donc beaucoup, beaucoup de trades, 70 trades, hein, c'est un peu plus que d'habitude où je commence un petit peu à monter en pression, en intensité, puisque je n'ai plus de problème de santé. J'ai encore un déménagement à faire dans les 15 jours qui arrivent jusqu'à fin avril. Et après, début mai, je pourrais vraiment me consacrer à fond dans le trading et certainement arriver à une centaine de trades par jour. Ce qui est intéressant sur cette courbe, c'est que vous voyez, à partir du moment où je suis rentré en fait dans la logique, on va dire, du trading iPhone, c'était le scalping que je faisais il y a maintenant plus de 12 ans, en 2004. Sur les indices S&P 500, où on pouvait en fait gagner un tick très très simplement, c'est-à-dire que j'achetais, je me mettais à vendre instantanément. Donc, comme le tick sur S&P 500 c'est 12,5 $, j'avais des frais de commission extrêmement réduits parce que je faisais jusqu'à 20 000 trades par mois et j'encaissais à chaque fois 7-8 $ extrêmement rapidement. Et là, en fait, je réadapte exactement le même système donc sur CFD. Sur le DAX. Alors, on me posait la question, j'anticipe avant tout, même si j'ai déjà dit des centaines de fois, pourquoi je ne fais plus ce type de trading sur le S&P 500 sur le futur. Tout simplement parce que les règles ont changé sur le CME. Donc, pour tous les futurs faits sur le Chicago Mercantile Exchange, ça ne peut plus fonctionner ce type de trading pour une bonne raison, c'est qu'en modifiant les règles, ils ont rendu les ordres prioritaires sur futur pour les membres du CME. Qu'est-ce que c'est que des ordres prioritaires? C'est des gens, des entreprises, des structures qui payent donc des licences auprès du CME et ces licences font qu'ils sont. Alors les licences peuvent valoir 100 000 dollars et un peu plus. On peut louer des licences, on peut les acheter à vie, entre guillemets. Et quand on possède cette licence, ça veut dire que nos ordres sont prioritaires. Qu'est-ce que ça veut dire un ordre prioritaire sur futur? Bah, simplement une arnaque. Hein. En simplifiant, c'est tout à fait pour baiser les particuliers et les gens qui ont pas les licences CME. C'est tout simplement, par exemple, vous allez vouloir acheter le S&P 500 à 2000. Par exemple, vous mettez votre ordre à 2000, vous le voyez dans le carnet d'ordre. Et puis, vous avez une seconde après, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure après, peu importe, d'autres membres qui veulent acheter aussi, d'autres personnes qui veulent acheter à 2000, le S&P 500, mais eux, ils sont membres du CME. Ça veut dire que leurs ordres vont passer pour l'exécution avant les vôtres. Donc, ce n'est plus du tout la règle du premier arrivé, premier servi. Donc le fait de scalper extrêmement court, d'acheter, de vendre instantanément sur le tick, je pouvais le faire parce que je pouvais anticiper à l'avance et quand on tapait sur le bid, j'étais exécuté dans les premiers et ça me permettait de sortir aussi dans les premiers sur le ask. Et là maintenant, non, c'est plus possible à moins d'avoir une licence, vous êtes exécuté en dernier. C'est comme ça. Ça pipe complètement les règles du jeu. Il y a très peu de gens qui le savent. Mais il suffit de lire le règlement, il suffit de trader quelques centaines de lots sur le CME pour se rendre compte que dès qu'on prend position, on a tout de suite une pile de personnes qui passent automatiquement devant vous, ça se voit. Donc ce type de trading n'est plus possible
C'est possible maintenant sur un scalping sans carnet d'ordre. À partir du moment où le prix est touché, vous êtes automatiquement exécuté. Il n'y a plus d'ordre prioritaire. Il n'y a pas de priorité au bon copain qui paye des licences à 100 000 dollars. Et les autres couillons, eh ben, ils passent en dernier s'il reste des choses. Donc ce type de trading, on le voit, là je l'ai lancé à partir de ce moment-là, ça vous fait des scalps extrêmement courts, mais avec une énorme, énorme régularité. Et là, vous voyez bien, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Voilà. Et à chaque fois, c'est pour essayer d'aller chercher un tick ou deux, donc un demi-point, un point maximum. Et on a comme ça une très, très, très grande régularité. Alors quand on a un mauvais trade, on perd 4-5 points. Et il faut à peu près 5, 6, 7 trades pour pouvoir remonter. Mais on tourne avec des taux de réussite extrêmement élevés. Là, j'ai fait 80% de taux de réussite, mes trades flat à 14%. Donc on tourne à 94,29% et 5 à 6% de trades perdants sur ce type de trading. On va le voir de manière un petit peu plus explicite. Là, vous voyez, donc c'est le nombre de points que j'ai réalisé. Et on voit à partir du moment, c'est à partir d'ici, après ce 2,2 points, que j'ai commencé à scalper comme ça, à partir d'ici, pardon, que j'ai commencé à scalper en mode extrêmement serré. Donc la technique est simple. On rentre en position sur un reflux pour rester dans la tendance. Donc si on est en tendance haussière, eh ben, dès qu'on a un reflux sur un support qui nous paraît intéressant, on n'hésite pas, on rentre. Et dès qu'on prend un point, on ferme instantanément. Et si on revient un petit peu sur ce support, c'est-à-dire par exemple si vous voulez acheter à 25, vous mettez votre ordre de vente à 26, 25,5, vous encaissez, hop, direct, on prend. Un demi point, c'est toujours pas mal d'euros. Et vous avez fait un trade, mais vous pouvez en faire comme ça. Si vos cours se mettent à stagner, vous pouvez en faire 1, 2, 3, 4, 5. Ça peut aller extrêmement vite. Et en fait, vous avez accumulé 5 trades et vous avez gagné entre 2,5 et 5 points avec un minimum de risque. Donc là, on le voit à partir du moment où j'ai déclenché le processus. Gain de 1 point, 2 points, 3 trades flat. Donc, trade flat, c'est quand je suis rentré pas à la perfection, donc, tout de suite je mets un autre flat parce que ça part pas bien dans mon sens. Et puis dès qu'on revient sur mon niveau, je sors automatiquement. J'essaie même pas de grappiller un demi-point. Ça se passe pas comme je veux. Je sors flat. Si ça arrive au moins 4, moins 5, j'encaisse ma perte. On respire un coup et on passe au trade suivant. Et donc là, vous voyez, la régularité de ce type de trading, 0,5, 0, 0,8, 0,4, 1 point, 1,5, 1,5, 0,3, 1,5, 1, 1,5, 0, 1,5, etc. Donc je ne vous fais pas la liste, elle est extrêmement longue. Et on a énormément de trades, un demi-point. Un demi-point, c'est mon tick. Pourquoi? Parce que je prends mon ordre instantanément et je suis prêt à vendre dès que je vois passer vert, dès que je vois un demi-point, j'encaisse directement, je ne me pose pas de questions. Alors par contre, vous voyez qu'il y a quand même quelques trades qui sont à 1 point, certains trades à 2 points maximum. Alors pourquoi j'ai des trades à 1 point ou 2 points alors que j'encaisse dès que je le vois passer vert, donc dès qu'il a 0,3, 0,5, j'encaisse? Tout simplement parce que j'ai mis un target profit. C'est-à-dire qu'instantanément, dès que mon ordre est passé, je me précipite. Souvent j'étais sur iPhone, donc c'est automatique, mais bon, il faut le préparer un peu. Donc dès que je rentre, j'ai automatiquement mon ordre de vente à 2 points qui est prêt. Mais j'attends pas ces 2 points-là, j'attends qu'ils passent vert, donc 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, j'encaisse. Par contre, j'en ai parfois à 1 point et 2 points, tout simplement parce que je suis bien rentré. Et à ce moment-là, ça a été un petit peu plus rapide. Et au lieu de passer vert à un demi-point, je suis passé vert directement à 1 point. Donc là, pas de question, on n'essaye pas de gagner plus, on encaisse son petit point. Et puis, quelques secondes après, on peut se repositionner. Là, par exemple, dans la liste des trades, par exemple, ceci. 10 043,8, 10 043, 10 043,3, 10 045,8, ces 4 trades-là. Donc j'ai gagné 0,2, 0,5, 0,7, 0,2. Ils ont été passés dans la même minute. Donc ils ont duré moins de 10 secondes.
C'est-à-dire qu'on stagnait bien sur ce support qui me paraissait intéressant. Je sentais bien qu'on allait rejoindre les 10 050. Donc dès qu'on était sur 10 043, 10 044, j'encaisse. On redescend à 10 043, je rentre à nouveau, je ressors à 43,5. On redescend à 43, 43,3, je rentre à nouveau, je sors à 44, etc. On essaye de suivre le mouvement en sachant que sur le 10 040, là on le voit vraiment très très nettement. 10 040, je n'ai fait qu'acheter au fur et à mesure que l'on montait. Et dès qu'il y avait un petit reflux, je rentrais avec ce fameux objectif de l'atteinte des 10 050 points. Et on a effectivement bien eu les 10 050 points à ce niveau-là. Donc c'est vraiment un trading très régulier qui donne de très très beaux résultats. Vous pouvez le voir, c'est une belle journée. Il n'y a pas eu de maximum de rundown important. Plus grosse perte, ça a été 4 points, mais on encaisse comme ça de manière extrêmement régulière, extrêmement rapide. C'est ça, surtout l'idée, c'est cette rapidité. Vous pouvez, dès que ça passe vert, ça peut hein, 1 ou 2, 3 secondes, vous voyez qu'il passe vert, vous encaissez. Et de temps en temps, vous avez 1 ou 2 points parce que ça a été rapide et votre target profit a été touché avant même parfois que vous réalisiez la chose. Donc moi, j'ai choisi 2 points. Je pense que sur le profil de la journée de vendredi, 1 point aurait été peut-être tout aussi intéressant. Alors, je reviens un petit peu plus donc sur la journée après avoir analysé les trades. Donc systématiquement quand je me mets à trader, j'analyse toujours la semaine en cours. Et donc ça c'est très intéressant. Ça nous donne énormément, énormément d'informations. Donc très rapidement, un peu l'analyse que j'ai pu faire le matin, on monte, il n'y a pas de souci. On a vraiment une tendance haussière très marquée, ce qu'on enverse sur un gap aussi. On a passé au-dessus du point pivot mensuel. On n'est même jamais tenté de revenir voir les 9813 sur le DAX. Donc allez, roule ma poule, il n'y a aucun souci, on monte. Et sur la journée 48 heures avant, on voyait bien qu'on avait un point bas qui pouvait être à 9996, ce petit point-là. Donc je m'étais dit, si jamais on revient sur les 10 000 points, boum, là j'hésite pas, je me mets à acheter parce qu'on a forcément un rebond très fort. Et on voit bien là ici, on n'a pas arrêté de stagner le point bas sur les 10 020 et point haut, 10 100. Donc 10 020, 10 100, j'étais parti pour la journée entre guillemets du 15 de vendredi pour me dire que si on arrive au point bas vers les 10 020, je vais me mettre à acheter. Ça me paraît vraiment une bonne affaire. Et si on monte un peu plus haut au-dessus des si on se rapproche des 10 100, plutôt me mettre à vendre parce qu'on risque de redescendre et d'aller taper notamment les 10 050. Donc en fait sur les 70 trades, si on regarde bien, j'ai fait que des achats, sauf tout en début de journée où j'ai vendu à 10 089,6 en pré-market parce qu'on était vraiment extrêmement haut. D'ailleurs ça a été le plus haut de la journée. Donc très belle vente avec un gain sans grand intérêt. Et ensuite j'ai fait une deuxième vente. Là ça a pas mal hésité sur 60. Moi-même on voit que j'hésitais. J'ai acheté à 66, vendu à 67 pour quelques secondes après, vendre à 64 pour racheter à 63. Donc là, ces deux trades-là, on voit que moi-même, j'étais indécis. Mais comme c'est du scalping et qu'on rentre et dès qu'on rentre dans le vert, on encaisse, ça permet de faire de belles choses. Là, typiquement, vous voyez, 10 066 achats, 66,4, 10 067,1, j'ai encaissé 0,7. Typiquement, quelqu'un qui aurait attendu, regardez, ça descend 30 points. À quelques 18 trades, 18 trades, c'est peut-être 40 minutes après, on a perdu 30 points, 40 points quasiment. 40 points sur le DAX, c'est 1000 euros. Donc là, généralement, vous allez encaisser votre perte. Mais en ayant vendu très rapidement, vous avez fait un gain de 0,7 et ça vous a permis de faire 18 trades supplémentaires, 16 trades supplémentaires. Et vous arrivez, donc au lieu de vous retrouver à moins 30, on va regarder, là, à ce moment-là, j'étais sur ces niveaux-là, donc j'étais à plus 16. Donc c'est pour ça, faut vraiment, je pense qu'il faut vraiment prendre ces gains extrêmement rapidement. Alors, une autre petite analyse,
J'ai tradé essentiellement, donc comme j'étais sur mon iPhone, uniquement en UT 1 minute. Hein. Je ne dispose pas des tics sur iPhone. Et donc j'ai utilisé les 1 minute. Donc là, c'est la version PC en 1 minute. Et vous voyez bien quand même la force. Hein, j'en parle souvent, mais des points pivots. Regardez comme vraiment on s'arrête sur les points pivots. Hein, on achète un peu en dessous et ça rebondit bien. Donc là, rapidement. Lors du premier passage de la journée, on va regarder à 9h. Voilà. On commence à 9h. Ici, ouverture de la bourse. Premier passage sous le point pivot journalier, on achète, on vend, c'est en gain. C'était là aussi, on rejoint à nouveau un point important, on vend, c'est la première fois qu'on passe au-dessus, boum, on redescend, etc., etc. Premier passage sur le SNJ, achat en dessous, on vend, boum, gagnant encore. Pareil pour la MSNJ, etc. Donc rien qu'en utilisant les supports. Là, on revient pour la première fois, on touche pour la première fois la middle R1M. Pareil, on achète en dessous, boum. Alors ça vous paraît rien, mais 10 021. 1 minute après, on est à 10 027. Donc là, vous faisiez vos points sans aucun problème en scalping. Et donc, ça marche très très bien, cette forme de régularité. Et ce que l'on cherche, en fait, je vais vous montrer la période où j'ai le plus tradé. Voilà. C'est cette période-là. C'est sur les 10 030. Ici. Vous voyez la régularité sur laquelle on rebondit sur la SNJ. Donc là, sur les 70 trades, j'en ai passé une vingtaine, 20 à 25, quasiment un tiers des trades uniquement là-dessus. Dès qu'on touchait la SNJ légèrement en dessous, j'essayais d'acheter pour faire un demi-point, un point, un demi-point, un point, un demi-point, un demi-point, un point, un demi-point, un demi-point, etc., etc. Et donc, ça vous donne comme cela les résultats que vous voyez là sur ces niveaux-là. 0,7, 0,3, 0,5, moins 2,2, 1, 2, 0, 0, 0, 0,5, etc. Donc ça permet vraiment de gagner pas mal de sous. Alors on ne peut pas faire ça tous les jours, faire ce scalping, on essaie de récupérer un tick, un demi-point sur le DAX et puis on met son target profit à 2 points. Il faut quand même une journée un peu particulière. Alors la journée idéale pour faire ça, c'est généralement, c'est pour ça que je l'ai fait aussi, il n'y avait pas que des raisons entre guillemets techniques. Parce que je n'étais pas chez moi. C'est aussi là où ça marche généralement le mieux, c'est le vendredi après-midi, pile entre ces heures-là, entre 13h et 14h30, c'est-à-dire c'est là où il y a finalement le moins de volatilité. Un scalper aime la volatilité pour qu'on aille chercher des supports rentrés en dessous, parce que ça rebondit très vite, mais il y a aussi comme ça des phases de marché où on peut gagner beaucoup de points quand il ne se passe pas grand-chose. Là, regardez, entre 10 033, 10 038, allez, on va dire 40. Là, à partir de 13h à 14h 11, 12, pendant plus d'une heure, on a rangé sur le DAX sur 15 points. Donc ça permet aussi de pouvoir faire des choses intéressantes. D'autant plus qu'on a ce type de caractéristiques. Alors, il faut savoir que le vendredi après-midi sera beaucoup plus de chance, entre guillemets, de ranger, parce qu'il y a quand même beaucoup moins de monde sur les marchés. Et là, on avait une sorte de configuration un petit peu idéale. Ça veut dire qu'on se stabilisait sur le support un journalier. Alors, souvent, c'est un support qui fonctionne bien. Et là, on se met à rebondir systématiquement dessus. On revient. Et donc, si vous faisiez juste le retour, on va dire les plus évidents, il y en avait au moins 4, 5, 6, 7. Vous pouviez passer à peu près 7 trades dans la tendance. Hein. Faut bien avoir compris ça, c'est que la tendance, elle est haussière. Hein. On avait déterminé dès le matin, la semaine est haussière, on a des gaps, on ne revient pas sur les 10 000 points sur DAX. Donc, la tendance est haussière. Et donc, si on a comme ça un support qui commence à se construire assez fort, dès qu'on revient sur le support, on a tendance à rebondir. Et là, cette heure-là est vraiment très, très, très importante. C'est l'heure où il se passe, entre guillemets, rien. Donc, généralement, on mange, où on va faire la sieste. Mais ça peut être aussi le moment où on scalpe, ce que j'appelle scalper extrêmement court, c'est-à-dire aller juste chercher
le tic au-dessus. Et ce qui compte avant tout, c'est la régularité. Alors, comme maintenant, ça fait plus de 10 ans que je scalpe, que je fais des blogs, je sais qu'il y a toujours les mêmes propos qui arrivent, notamment parce qu'on est en France, et qui vont me dire, ben oui, 70 trades, ton broker va être content, tu laisses plein de commissions, etc. Oui, ça c'est clair, il est content, mais celui qui est plus content, c'est mon banquier, et c'est moi-même qui est content. Pour vous donner un ordre d'idée quand même des mentalités différentes, un scalper américain, par exemple, va être extrêmement fier de dire, j'ai laissé 200 000 euros de commission à mon broker ce mois-ci. En France, on va se mettre à hurler, mais aux États-Unis, non. C'est un signe que le scalper a énormément scalpé, et là, on va lui dire, waouh, 200 000 euros de commission à ton broker, c'est super. Sous-entendu que s'il a laissé 200 000 euros à son broker, il en a gagné 100 000, 200 000 ou 300 000, ou voire 400 000 ou 500 000 euros dollars aux États-Unis. Donc c'est un petit peu l'ordre, un petit peu l'ordre d'idée. Je vous incite vraiment à regarder ce graphique. Il y a eu 70 trades, jamais en danger. Si j'avais pu passer dans la journée 700 trades avec le même rythme et la même facilité, entre guillemets, ou le fait qu'il y avait très très peu de risques, on va dire, sur le moment où j'ai pris ces trades, j'aurais voulu en faire 700 des trades. Hein, je n'aurais pas gagné 41 points, j'en aurais gagné 400 points. Donc, il faut pas réfléchir à ça. Ça, c'est purement français. C'est un peu la logique où tout doit être gratuit et tout. Eh ben non, pour gagner de l'argent, bah, il faut investir. Et voilà. Et donc, si demain je trouve un système qui me permet de gagner 100 000 dollars en donnant 80 000 dollars au broker et que ça marche bien, eh ben, je vais essayer de laisser 1 million de dollars au broker pour pouvoir en avoir 800 000 dollars pour moi dans ma poche. Donc voilà, essayer de penser un petit peu en dehors, je vais dire, des caricatures françaises. Et vraiment avoir cette idée que ce qui fait entre guillemets la valeur d'un scalper aux États-Unis, il dit rarement combien il gagne par mois parce que les chiffres peuvent être assez effarants, mais il va dire combien il laisse chez son broker en commission, et ça symbolise en fait tout simplement son activité et son intensité entre guillemets de scalping. Donc voilà, je vais pas être plus long que ça, puisque j'ai plein de choses à faire et que la semaine prochaine, donc il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine, peut-être vendredi, mais je ne suis pas sûr, parce que je pars en vacances. Donc il y a très peu de chances que je trade, je vais être très très occupé à l'étranger. Donc par contre, dans 15 jours, je serai de revenu, donc à partir du 25 avril. Tous les jours, vidéos, scalping, des trading aussi, si je vois une occasion. Et puis, à partir du mois de mai, il y aura deux webinaires spécialement consacrés sur inscription, par contre, et gratuits, mais sur inscription, pour pas que le serveur explose, consacrés uniquement sur le scalping, vraiment de manière extrêmement, beaucoup plus précise, un peu que c'est. Que ce petit compte rendu. Donc voilà, si je veux faire passer un message, c'est déjà qu'il faut au minimum que ce soit scalper ou des traders, c'est préparer vos séances à l'avance. On n'arrive pas 9h, 10h comme ça en disant bah tiens, qu'est-ce qui se passe? Ah tiens, ça monte, j'achète, tiens, ça baisse, je vends. Là, c'est un petit peu le sketch des chasseurs des nuls. Non, c'était pas les nuls pour faire le sketch. Des chasseurs, mais je suis fatigué. La galinette cendrée, voilà, vous chercherez sur YouTube la galinette cendrée, c'est les inconnus. Un trader, c'est pas ça, c'est qu'il y a un vrai travail de préparation à l'avance pour déterminer les niveaux. Et quand vous avez vos niveaux, les points bas de la veille, les points bas d'il y a 48 heures, c'est vraiment des zones où on peut intervenir. On essaie de jamais intervenir entre guillemets en pur hasard parce que, ou à la chance, ça n'existe pas en bourse si on veut être régulier. Voilà, bah écoutez, je vous laisse et puis je vous dis bah, à très vite hein, après le retour des vacances. Ciao.